Bien, mesdames et messieurs, mon collègue et ami, le ministre des Affaires étrangères du Qatar, a bien voulu me rendre visite cet après-midi. Nous avons parlé, bien sûr, de la situation dans la région, particulièrement de la situation en Égypte. Il va s'exprimer, il vous dira son analyse. Ce qui est évident pour tous ceux qui suivent la situation de très près, c'est combien il faut rapidement arrêter les effusions de sang et parvenir à un dialogue inter-égyptien. Ce n'est pas facile, bien sûr, mais je crois que tous les pays de bonne volonté doivent avancer en ce sens. Et il est très important que le ministre des Affaires étrangères d'un État important de la région soit ici pour que nous puissions en discuter. Dans quelques dizaines de minutes, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite sera reçu et j'aurai l'occasion également de le voir. Mais je pense qu'il faut vraiment que nous mobilisions nos énergies aux uns et aux autres pour arriver à ce que, dans ce pays très important qu'est l'Égypte, une solution puisse être trouvée par les Égyptiens.